Wow. Vous vous rappelez d'elle? Do you remember her? Ceux qui ont suivi à Nantes. Those who saw the program in Nantes. Le programme de réveil. The revival program. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur Tatiana? What happened, my sister? Magnifique Seigneur. Oh, malédiction là, familiale là. Voilà. Tu vas lâcher son corps. Tu vas lâcher ses membres. Tu vas lâcher ses bras. Tu vas lâcher ses jambes. Démon, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, remonte et sors. Allez, remonte et sors. Elle te vomit au nom de Yeshua. Yeshua, que ses jambes retrouvent la vigueur. Oui, ma soeur. Je te ressuscite. Je te ressuscite. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, donne-moi toute ta force, maintenant, oh Jésus. Dieu est bon. Amen. God is good. J'ai été hospitalisée. Je suis partie en vacances en France. I have been hospitalized and I went in France for holidays. J'avais été en Belgique pour voir un cousin pour lui partager l'évangile. And I went to Belgium to see a cousin to share the gospel with him. Et quand je suis rentrée chez nous à Saumur, j'avais des lourdeurs dans les jambes. And when I came back at home in Saumur, I had many sores in my legs. Et j'avais pensé que c'était dû à la conduite et à la fatigue parce que c'était les vacances. And I thought it was due to driving and tiredness because it was holidays. Et alors on a pris rendez-vous chez le médecin. So I took an appointment to the doctor. Et il a demandé d'aller voir un rhumatologue parce qu'il pensait que c'était un début de rhumatisme. And he asked me to go and see this doctor for the problem I had. Et ce jour-là, il nous a demandé de faire une prise de sang. And this day, he asked me to have a blood test. Alors on est allé faire la prise de sang. So I went there to do this blood test. Et une fois arrivé pour la prise de sang, mon mari devait aussi en faire. And when I arrived there, my husband also had to do one. Ils m'ont pris du sang et ils ont essayé de prendre pour mon mari. They took blood from me and they also tried to take my husband's blood. Mon mari est tombé dans les pommes, il a perdu connaissance. And my husband had a stroke. He fainted. Yeah. Il a carrément, j'ai vu la langue sortir, les yeux tournés, c'était la mort pour moi. And I saw his tongue out, his eyes were returned, and for me it was death. J'ai commencé à intercéder et à prier.
I started to intercede and to pray. On l'a amené aux urgences. And we brought him to emergency. Je suis restée à intercéder. And I kept on interceding. Et je suis retournée à la maison parce qu'on avait laissé les enfants. And I went back home because we left our children there. Je suis arrivée, j'ai rien dit aux enfants, j'ai continué à prier. And when I arrived, I didn't say anything to my children. I kept on praying. Et à 15 heures, mon mari m'a appelé, m'a dit c'est bon, viens me chercher. And after my husband called me, he told me that's good, come to fetch me. J'avais compris vraiment qu'il y a quelque chose qui se passait. I understood something was happening. Et on a pris rendez-vous chez le rhumatologue. So we take an appointment to this rheumatologist. Alors, il m'a essayé de m'ausculter. And he tried to go through me. Et to examine dit, me. C'est pas des rhumatismes du tout. And he says there is nothing to do with rheumatism. Il faut encore des examens. You still have to go through some et exams. Il a demandé encore de faire des prises de sang. He asked me to do blood test again. Et on a fait la prise de sang à nouveau. So we did blood test again. 2 jours après, il a appelé chez nous pour nous dire il faut aller à l'hôpital. 2 days later, he called in our house to tell me I have to go to hospital. Et ça, c'était le 30 juillet. And this was since the 30th. In July the 30th. Mm-hmm. Alors, c'est depuis ce jour que j'ai été hospitalisée. Je suis restée 2 semaines à l'hôpital de Saumur. And from this day, I've been in hospital and I stayed 2 weeks in the Saumur hospital. Ils ont fait les IRM, les scanners, ils ne trouvaient rien du tout. These scanners, they didn't find anything. Il y avait une enzyme qui était à 22 000 dans le sang et qui devait être normalement dans les 300 ou 400. J'étais à 22 000, le taux de cette enzyme. There was an enzyme and my enzyme level was high. 22,000. Mm-hmm. Alors il disait que normalement le foie devait être abîmé, le cœur devait être abîmé, c'est pas possible. Que le taux soit si élevé que je sois encore debout. So they said that my liver had to be damaged, my heart had to be damaged. It wasn't possible that I was still alive. I was still up. Voilà. Donc pendant 2 semaines, ils m'ont donné du Dafalgan. And for 2 weeks, they gave me Dafalgan. Ensuite, ils m'ont transféré dans un autre hôpital à Angers. Then they transferred me to another hospital in Angers. Où ils ont dû me faire une biopsie. And where I had to have a biopsy. Biopsy. Mm-hmm. Et là, le médecin est venu me dire tous vos muscles, les fibres musculaires sont nécrosées, c'est mort. And the doctors came to tell me all your muscles are fossilized, it's dead. Dead, voilà. Donc, et entre-temps, descendais, j'arrivais plus à lever le bras, j'arrivais plus à lever les jambes, tous les jours je dégradais. And in the meantime, everything was going down. I couldn't lift up my arms, I couldn't walk. Je pouvais pas, j'avais tous les muscles lâchés. All my muscles lose out. Complètement. Gave out, donc, completely. Il n'y avait plus de vie dans les muscles, je pouvais pas lever la jambe. No more life in the muscles. I couldn't lift up my leg. On me portait, on me mettait du lit, on me mettait dans le fauteuil pour me donner la douche. J'étais assise. They carried me from the bed to this wheelchair, to this chair. I couldn't have my bath up. I had to be seated. Alors on me tournait, je devais sonner pour qu'on me mette sur la gauche. So they turned me, I had to ring a bell so that they put me on the left. Quand je voulais aller sur la droite, je sonnais pour qu'on me mette sur ma droite. When I wanted to turn right, I was ringing a bell so that they could come and help me. Il fallait 2 personnes. 2 people had to help me. Et ensuite, même les besoins, ils m'ont dit, on va vous mettre une sonde parce qu'on est fatigué de vous porter. And even to pee, they had to probe me, to put a probe on me. Donc c'était la mort complète. It was really complete death. Mais Jésus est vivant. But Jesus is alive. Amen. Amen. Jésus est vivant. Jesus is alive.
Alors il y a eu le programme du 19 septembre. So they had this program of September 19th. Et j'ai demandé une permission de 24 heures. And I asked a permission of 24 hours. Parce que j'étais fatiguée dans cette petite chambre. J'ai demandé la permission, ils me l'ont accordé. Because I was tired in these tiny rooms, I asked the permission and they gave it to me. Amen. Amen. Et je suis allée au programme. And I went to the program. Et je criais à Dieu. I was crying out to the Lord. Je criais à Dieu, je disais, je comprends pas ce qui se passe. I was crying to the Lord. I don't understand what is happening, God. Je n'avais que la voix, mon corps était mort. I didn't have any voice. My body was dead. Tout le ventre était enflé parce que même les muscles intérieurs avaient lâché. Tout avait lâché. All my belly was swollen because even the muscles inside released. Et les médecins m'avaient dit c'est le fauteuil roulant. And the doctors told me it was the wheelchair. Alors à ce programme le Seigneur s'est encore glorifié. And in this program the Lord glorified himself. Amen. Amen. La puissance de la résurrection était là. The power of resurrection was there. Amen. Amen. Le Seigneur m'a visité. God visited me. Il m'a ressuscité. He resurrected me. Il a donné la vie à mes muscles. He gave me life. Il a donné la vie à mes fibres musculaires. He gave life to my muscles, fibers. Je suis vivant. Jesus is alive. Il est vivant. Jesus is alive. Je vous le dis, je ne marchais pas. J'appelais pour qu'on me tourne. I'm telling you. I'm telling you, I couldn't walk. I had to call somebody so that I could turn on the side. On devait couper ma nourriture. They had to cut my food. Mais quand Jésus a fait son entrée, but when Jesus entered, il est vivant. He is alive. Il est vivant. He is alive. C'est le ressuscité. He is risen. Alléluia. 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 Regardez à Jésus. Look to Jesus. Il est ma délivrance. He is my deliverance. Et mon salut. And my salvation. Et l'amour de ma vie. And the love of my life. Il me l'a encore démontré. He can also show. C'est celui qui combat pour nous. He is the one who fight for us. Quelle que soit la condamnation des hommes, whatever Jésus au-dessus. Whatever man's condemnation, God is above. Il a voulu que je passe cette épreuve. He wanted me to go through this trial. Mais je bénis le Seigneur qui m'a fortifié chaque jour. But I bless the Lord who strengthened me every day. Tous les jours, il était là à mes côtés. Every day, he was there by my side. Amen. Amen. Même s'il y a des vagues, même s'il y a la tornade, Jésus est vivant. Even if you have waves, even if you have tornadoes, Jesus is alive. Croyez-en, quoi qu'il arrive, le psaume 62 dit, quoi qu'il arrive, Jésus, le Seigneur est là pour nous. Il est notre salut. Believe. Il est notre délivrance. Il est celui qui combat pour nous. He's the one who fights for us. Believe in him, whatever happens. Je pense que dans l'autre camp, ça a été terrible. I think that in the other camp, it has been terrible. Donc quand je suis rentrée en marchant, so when I came back walking, les infirmières étaient choquées et me disent, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes partie en fauteuil? Nurses were shocked. They say, what happened? Amen. You were in a wheelchair. J'ai été visitée. I had been visited. Par l'amour de ma vie. By the love of my life. Alors le lendemain, so, l'hôpital était en ébullition. Ils me disent, non, 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 on vous sort tout de suite. So the day after, the hospital told me, oh, you're going out, you're going out. Now. Ils m'avaient dit qu'ils allaient me faire, comment on appelle cet examen là, une sonde là, parce qu'ils disaient qu'il y avait un cancer quelque part. They said they were going to give me to examine me. L'endoscopie, c'est ça. Et j'avais demandé à ma mère de venir le matin parce qu'il faut avaler un liquide. Là, j'avais demandé à ma mère de venir parce qu'il fallait qu'elle me le dépose sur les toilettes pour la matinée. And I asked my mother to come because she had to put me on the toilets. Et je leur dis, mais ma mère est là, elle est venue. Ils me disent, non, on prend une ambulance, vous sortez. But I told them, my mother, she's there, she came. And they told me, no, 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 take an ambulance and go out. Alors, le médecin qui me suit dans les toilettes, il me dit, madame Godichot, vous devez partir. Je vous envoie en rééducation. Puisqu'il y a la vie, il faut que vous commencez la rééducation. So the doctor told me, okay, you're going to do some rééducation, physical therapy, because voilà. You have life. Il fallait que j'apprenne à marcher comme un enfant.
I had to start working like a child. Et on m'a amené dans ce centre. J'étais en fauteuil roulant électrique. And they sent me to this center. I was in a wheelchair, electric wheelchair. Quand vous voyez des gens avec les fauteuils là, ça veut dire qu'ils peuvent bouger leurs bras. Électrique, on peut rien. When you see people in those wheelchair, it means that they can move their arms, but electric wheelchair, you cannot do anything. Donc quand on a les fauteuils électriques, ça veut dire qu'on n'a pas de force du tout, on ne peut pas avancer tout seul. So when you have electric wheelchair, it means you cannot move at all. Et you cannot move by yourself. Et là, quand je suis arrivée, ils me disent non, vous devez rester dedans. And when I arrived, they told me no, you have to stay in it. Je dis, il n'y a pas de souci, mais dans ma chambre, je marche. I said no problem, but in my room, I walk. Je ne peux pas rester là-dedans. Je leur dis, je mettrai le fauteuil roulant dehors, mais dans ma chambre, je marche. I cannot stay in it. I will put this wheelchair outside, and in my room, I walk. Et puis je vois le kiné. And then I see the physio. Il me dit, on n'a jamais entendu parler de cette maladie. He tells me we have never heard about this disease. J'ai 60 ans, je vais à la retraite bientôt. I am 16, I'm 60, I will soon be retired. Je lui dis, ben il n'y a pas de problème, vous ne savez pas moi non plus, mais il y a quelqu'un qui sait. I tell him no problem, you don't know, me too, but somebody knows. Voilà, vous êtes physio, vous êtes kiné, moi je suis enseignant, on ne sait pas, mais il y a quelqu'un qui sait. So you are physio. You are physio, but there is somebody who knows. Il sait comment mettre tout ça ensemble. Il va me rapprendre à marcher. He knows how to teach me how to walk. Et c'est le Seigneur vraiment qui a fait. And the Lord really Parce que eux-mêmes, did. Ils ont dit, on ne sait pas, on n'a jamais entendu parler de ça, de cette maladie. The Lord worked because even themselves, they told me, we have never heard about this disease. Et vraiment, la rééducation s'est bien passée. Le Seigneur était là. And il m'a relevé. And the physical therapy went okay, and the Lord was there. He restored me. Alors, le taux d'enzyme qui était à 22 000. So the enzyme level, which was 20,000, est descendu à 536. Came down to 536. Amen. Le médecin me dit à 536, vous êtes guéri pour nous. Doctors told me. At 536, you are healed for us. Mais parce que c'est une maladie rare, on voudrait quand même vous suivre. But because it's a rare disease, we want to follow you. Ils ont décidé de me mettre dans la base de données de la Salpêtrière au cas où quelqu'un serait dans la même situation que moi. So they decided to put me in the database of the hospital in case somebody would have the same disease as I had. Donc les médecins sont choqués, ils disent on ne sait pas ce qui s'est passé. So vos progrès sont vraiment surprenants. The doctors are surprised. They said we don't know what happened. Ils sont surpris en fait. Okay, they were surprised. Voilà. Donc et dans ma chambre puisque je prie et que je mettais de la musique. And in my room, as I was praying and I was singing, il y a quelqu'un qui une amie à ma sœur qui me dit que sa copine qui travaille à l'hôpital. A friend of my sister, and she told me that her friend who is working in hospital dit que c'est parce que j'écoute du gospel que je suis guérie. She said it's because I am listening to gospel that I am healed. Donc ils disent qu'ils vont mettre de la musique gospel à l'hôpital pour que les guérisons se fassent. So they say they will put gospel music in hospital so that healing happens. Non, c'est Jésus qui guérit. I said no, it's Jesus who Jésus heals. Qui guérit, ce n'est pas du tout la musique. It's Jesus who heals. It's not the music at all. Amen. Amen. Donc le 17 novembre, officiellement, ils ont enlevé mon fauteuil. So on November 17th. Officially, ils m'ont dit, vous êtes libre de marcher. They took off my wheelchair and they told me you're free to walk. Amen. Amen. Donc je suis là. So I'm here. Le Seigneur continue. The Lord keeps on doing His work. Ce n'est pas terminé, mais il continue. He keeps on doing His work. It's not finished. Il est vivant, il est fidèle. He is alive, he's faithful. Il s'appelle le véritable. His name is the true one. Le véritable. The true one. Accrochons-nous à Jésus.
Come closer to Jesus. Accrochez-vous à Jésus. Come closer to Jesus. Il est la seule solution. He is the only solution. La seule solution à nos problèmes. The only solution to our problems. Amen. Il est venu briser la puissance des ténèbres. He came to break down darkness power. Dans nos vies. In our lives. Alors je bénis son saint nom. So I bless his holy name. Je voudrais qu'on se lève et qu'on puisse l'adorer un peu, s'il vous plaît. May you lift, please, stand up, please, and worship him. Parce qu'il mérite cela. Because he deserves it. Il mérite notre adoration. He deserves our worship. Amen. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas te louer, mon Dieu? Tu es ma vie, tu es ma force. You are my life, you are my strength. Tu es mon soutien. You uphold me. Comment ne pas t'adorer, mon Dieu? How cannot I worship you? Comment ne pas te louer, Jésus? How cannot I praise you? Tu es ma vie. You are my life. Tu es ma force. You are my strength. Tu es mon soutien. You uphold. Je t'aime, Jésus, je t'aime. I love you, Jesus. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. I love you, Jesus. Tu es mon soutien. You support me. Je t'aime, Seigneur. I love you, Jesus, Lord. Je t'aime, mon roi. Je t'aime. I love you, my King. Je t'aime. Tu es mon soutien. You support me, Jesus. Tu es mon papa. You are my daddy. Tu es mon soutien, Jésus, je t'aime. Aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Tu es mon soutien. Comment ne pas t'exalter, mon Père? How can I exalt you? Comment ne pas te louer, Daddy? Tu es ma vie. You are my life. Tu es ma force. You are my strength. Tu es mon soutien. You support me. Thank you.
for what you do in my life. Reçois la gloire, Jésus. Receive the glory. Reçois la gloire, Père. Receive the glory, Father. Receive the glory, Adonai. All the glory to you, Lord. All the glory, my King. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Elle est sortie de loin. She has come a long way. Ses jambes étaient vraiment abîmées. Her legs were so damaged. Elle est venue en fauteuil roulant, elle est repartie sans le fauteuil. She walked in with the wheelchair, she walked out without it. Le Seigneur est bon. The Lord is good.